Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en ce jour du 23 octobre 2020, je m'adresse à vous, souverains primaires, dans un contexte exceptionnel en rapport avec la situation politique que connaît notre pays. Ce contexte de fragilité de notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcés à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ses différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de 2 ans après, les divergences qui persistent entre les partis signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la Commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit, qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions me convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe, construire la démocratie, organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels, renforcer l'état de droit, bâtir nos infrastructures, assurer la santé à nos populations, garantir l'éducation de nos enfants, donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. À ce propos, je salue l'effort d'abnégation de ceux qui, dans tous les camps, se sont démarqués de ces antivaleurs. Mes chers compatriotes, l'état de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de 3 juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'état de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique, du reste coulée dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve certains nostalgiques, habitués à l'impunité et au traitement de faveur. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'état de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de mon mandat. Mes chers compatriotes, chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoutent au nombre déjà important de notre population.
Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primer sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eu égard à ceux qui précèdent et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer dès la semaine prochaine une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs afin de recueillir leurs opinions à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Debout, Congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Message du chef de l'État. Il a été, on ne peut plus clair et on ne peut plus concis. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a utilisé un ton qui rassure, mais c'est aussi un avertissement. Qu'à son moment. Tout à fait exact. Si j'avais un mot à dire après avoir suivi cette intervention du président de la République, fait avec gravité et solennité, je dirais que l'heure est grave. Et je crois que ceux qui peut-être pensaient que c'était des mouvements d'humeur, qu'on pouvait se permettre d'égratigner impunément, d'énerver, je crois qu'aujourd'hui ils se rendent compte que effectivement le président, non seulement il a pris un ton grave pour s'exprimer, mais il dit qu'il ne transigera
sur rien face à ceux qui sont déterminés, malgré leur haute responsabilité assumée, à manifestement poursuivre la prédation du pays, à manifestement continuer leur acte de malveillance. En gros, voilà ce que je dirais. Mais je crois que nous aurons le temps de disséquer ce discours ici, parce qu'effectivement, c'était court, mais je crois qu'il a bien cerné les vrais problèmes qui nous concernent. Le président a parlé des consultations des différentes couches socio-professionnelles de la République démocratique du Congo. En quoi faisant ? Ben, il vient de le dire lui-même. Dans les prochains jours, on devrait s'attendre à une nouvelle reconfiguration de l'espace politique congolais. Mais on a vu le chef d'État dans un accent très grave. Jamais on l'a vu, en tout cas, un discours très incisif, en 6 minutes, mais sur un ton très ferme, autoritaire. Et là, on sent qu'il s'est positionné au-dessus de la mêlée en sa qualité de représentant de la nation et symbole de l'unité nationale. Donc, ayant pris la mesure de la situation, il a pris la décision qu'il fallait. Et donc, dans les tout prochains jours, on devrait s'attendre à une reconfiguration, en tout cas, de notre microcosme politique, parce que, a-t-il dit, les saluts du peuple passent avant tout, toutes choses, et surtout au-delà de tout ce qui a comme intérêt partisan ou groupuscule politique. Monsieur Modimola. Le chef de l'État a dit qu'aucun arrangement politique ne prendra le dessus sur lui. C'est un homme d'État qui a une âme d'État sans état d'âme. Les spécialistes en communication diront facilement que le gestuel et le paralangage communiquent plus que le message. Vous avez vu le président lui-même, quand il parlait, il y avait beaucoup de gestuels, soulever les mains, plusieurs.